Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Oui Need to Go Deeper avec Anto bien sûr hein. Bonjour Anto. Bonsoir. On est sur le plus gros rafio, donc le requin hein, que tu viens de nous prendre. Il y a combien de piles d'énergie là? C'est quoi ce bordel? Sinon c'est ça. Ok. Il a que 4 barres d'énergie? Ouais mais il a pas de bouclier. Il est très segmenté. Tous les sous-marins ont 4 barres d'énergie je crois. D'accord. Hop, ce qui nous permet de faire ça. Par contre, il y a des lits un peu partout, c'est pas mal aussi. Ouais. Ah, par contre, ouais, c'est l'enfer, c'est ultra grand, ouais, c'est. Oh, ça va en vrai, c'est pas si ultra grand que ça. Franchement, ça parle mal. Ouais. Du coup, je te laisse retourner à l'ingénierie, sauf si tu veux conduire ou utiliser des armes. Pas de soucis, je te mets du jux. Alors, ah oui, donc du coup pour alimenter les deux flingues là, il faut deux barres. Oh la mort. Ah oui, mais on n'a pas de bouclier. Ok, nice. Oui. Ok. Et on a 60 points de vie. Donc c'est le vaisseau le plus grand avec le plus grand nombre de points de vie disponibles au départ. D'accord. Je te mets une ou deux barres là, de jus. Mets deux barres de propulsion. Allez. Il faut savoir que une salle peut avoir tous les dégâts. Une seule salle peut tanker tous les dégâts. C'est-à-dire. Une seule salle peut avoir toutes les fuites du monde. Attends, comment j'affiche ma carte déjà? Alors, ok. C'est I. Ok. Et le jeu, il veut plus que je vois ce qui se passe dehors? C'est... peut-être. Bon, il se passe des choses en tout cas. Croyez-moi bien, ouais. Elles sont passionnantes. Attends, il faut que tu ailles sur une console d'armes, que tu fasses interagir avec et que tu ressortes pour pouvoir, comment dire... pour que ça reset ton jeu, en fait, si tu veux. Ok. Du coup, si je fais ça, tac... Non, il veut plus. Il ne veut pas. Non, il veut pas. Non, il veut plus, il est dissident. Il est décidant, il veut pas que je vois ce que vous faites. Faut que je prenne un flingue si je veux voir ce qui se passe. Mais c'est pas grave, hein, y'a pas de. Pas de soucis, hein. Laisse les commandes. Faut juste savoir que plus le sous-marin est grand, plus il est complexe à piloter. Ah, fuite. Ouais, ouais, ouais. Ralentis la vitesse, s'il te plaît, parce que quand on arrive dans des tout petits passages, ça va être la galère. Abordage. Fait mettre en bordel. Oui, oui. Mais il faudrait que tu réduises la vitesse, s'il te plaît. Ouais, on peut pas là, on est en train de tabasser des trucs et des machins là. On a un boss à bord. Non, c'est pas un boss, la plupart des personnages que tu croises en jeu ont un nom à l'aide. C'est bon, j'ai défoncé Philippe. Si tu pouvais ralentir, s'il te plaît. Je arrive. Je peux pas tout gérer, mec. Hop. Pas que je t'aime pas, mais voilà. Ça prend encore l'eau. Ouh là. Oh, les mecs, ils vont réparer un peu ou pas du tout là? Attends, parce qu'en fait, si. Ouais, mais on se fait tabasser là. Bah, allez-y, moi je fais mon boulot de tech. Hein. Vas-y, envoie tes mobs débilos. Ok, c'est bon. Ok, on est un peu sous l'eau là. Hein. Cache pas que. Un petit peu sous l'eau. Oui, pense à casser les trucs bleus sous l'eau, parce que ça, ça te rend malade. Et à sortir de l'eau pour respirer. Hop. Des espèces de piles de chiasse, il faut les casser. Et des algues. Oui, j'ai besoin de me reposer là. Ouh. Ah, et on commence avec 50 munitions au début. Ah oui, donc on est quand même hostile, ouais, on est vraiment dans du gabarit militaire, c'est mort. Par contre, là, je vois que j'ai zéro thune. J'espère que la thune que j'ai pas dépensée, je l'ai pas perdue. Non, tu l'as pas perdue. Elle est restée bloquée au menu, c'est une nouvelle partie. Donc tu pars comme si tu commençais à zéro. Alors tu n'auras toujours plus qu'un seul, de vitesse. J'ai préféré mettre le deuxième dans une arme. Étant donné qu'on n'a pas de bouclier, on a intérêt de blaster sec. Ouais, faut pas hésiter à aussi, quand si je le dis... Oh. Désolé, c'est pas moi. Il y avait un courant d'eau. Ouais, c'est pas moi, c'est l'autre. LOL. LOL, j'ai pas fait exprès, LOL. Fuite. Bah, une brèche dans la ligne de flottaison. Vas-y, on peut sortir, on est dans une route maintenant. LOL.
mec il a pas fait exprès. Ah oui, bonjour monsieur. Je lui ai dit qu'il irait pas à deux, instantanément il m'a pété ma gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Il va nous donner trois objets. Regarde. Un sac, merci, que je vais prendre, sauf si tu le veux, vas-y, prends-le. Non, bah vas-y, prends, je t'en prie, hein. Vas-y, vas-y. Hop. C'est toi le ninja des mers. Hasard, c'est du... ok, c'est du... Ok, regarde, j'ai deux clés à molette maintenant, je ne sais pas à quoi elles servent, mais j'ai les deux. C'est un monsieur poubelle quand même. Oui, 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 c'est ce qu'il le dit, hein. Il le dit lui-même. Je l'aime beaucoup. Il a une oui, bonne tête. Il nous donne trois objets. Et ça peut très bien être une arme aussi, hein, pour le sous-marin. Il t'a donné donc là, un sac, une clé pourrie et quoi d'autre? Et de l'essence? C'est tout. Ouais, et un de l'essence aléatoire. Donc, parce qu'il a dit trois objets, donc j'ai encore compté jusqu'à trois. Ah, le mec, il voulait se garder l'essence pour lui, en scred. On est au fond de la mer, bah, il l'essence l'avait déjà. L'essence est mise automatiquement dans le sous-marin. Allez, on se casse au là. Est-ce que ça remarche par hasard ton périscope? Je sais pas. Oui! Ok. C'est bon, je vois. J'ai le pouvoir de voir. Alors, on risque de s'écraser en dessous? Non, c'est bon? Ah, y'a un mec qui rejoint. Ah non, c'est parce qu'on a abandonné un bot, je crois. Hein? Mais non, je crois qu'on a abandonné un bot. Non, là, c'est pas toi qui tire au canon. Non, non, mais il l'a ramené. Ah. Bon, j'avoue, avec deux canons, ça discute, hein. Ouais, ouais, ouais. Pouette, 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 pouette. Bon, tu vas le percuter, ce bateau, là. Vas-y, pète-moi ça. Vas-y, rentre dans un mur. Le jeu est assez simpliste, j'avoue que bon, du coup il est facile à prendre en main. Mais ça serait appréciable que le jeu se corse dès le deuxième niveau, genre avec la gestion. Il se corse énormément, on est dans le noir dans le deuxième niveau. Non mais ce que on je veux dire en termes de par exemple de pièces métalliques pour réparer, etc. Ah mais Il y a un mec à bord. Et il vient de me défoncer ma race. Eh, hey, y'a un mec à bord, il est en train de me défoncer ma race. Ah bah écoute, si tu peux. Ok, merci, ouais. Allez vous faire foutre, ouais. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Ouais, ouais. Voyez avec lui, hein. Ils savent pas ouvrir les portes, hein, si jamais. D'accord. C'est un mec camé à bord, là. Y'a un camé à bord. Il est où? Vas-y, j'arrive. Non, c'est bon, ça y est, je l'ai tué, en fait. Bien joué. Mais les je suis atteint d'une affliction. Ah oui, c'est maladie. Ah oui, je vois ça. Oh, on se fait aborder. Ah, démerdez-vous, moi je suis en train de mourir. Aïe, il m'a mis deux points de dégâts ce bâtard. Ah mais... Ah non, moi il en a mis 3 d'un coup, quoi, en fait. Il m'a OS instant, quoi. Ce mec il ne fait aucun sens, il m'a instant OS. Il m'a OS 117. J'ai pas compris. Oh, puis cette affliction de ces morts là. Il est mort? Ah non, mais j'ai perdu 3 PV direct. Ah, ma vie est dégueulasse. Quand l'affliction sera curée, tu vas récupérer tes PV. Ok, mais pour l'instant ma vie est dégueulasse, c'est normal, on est d'accord. Ok. Non mais la dernière fois j'ai eu la chiasse et la fiction de sang, tu vois. D'accord. La chiasse réduit ta vitesse de déplacement et te fait chier partout par terre, donc ce qui fait que ça peut te faire tomber tes potes malades. C'est cool, hein. On aime ça à partager. C'est top à la vachette, hein. Je suis dans mon lit, je suis bien dans mon lit. Oh, on est vraiment des clodos, des fonds marins, quoi. Notre vie ne vaut rien. Tellement rien qu'elle vaut moins que celle d'un gilet jaune. Et dire qu'un gilet jaune ça vaut rien, quoi. Bon, ça c'est pas du tout politique, hein. Attention, pas de politique. Se calme, hein.
Les gilets jaunes, c'est des salauds de pauvres, hein, point, c'est tout. Voilà. Bah si, faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Mec qui cherche la merde. J'ai reçu un message Discord. Oui. Disons que vous êtes un gros connard, monsieur, lol. Je vais peut-être nous mettre à l'arrêt, monsieur. Surtout pas, surtout pas. D'accord. Je ne mets surtout pas à l'arrêt. Y'a Nemo vénère qui nous attaque. Ouais, mais c'était histoire que... voilà. Je sais pas ce que je veux dire. On va mourir. Nemo, il est vénère. Ouais, en fait, le problème, c'est que vu que les bots ont arrêté de tirer dessus, ouais, il aurait fallu qu'on fasse un speedrun. Alors, c'est dommage, hein. C'est dommage. Mmh. Un level up. Par contre, le son est bien fort du level up, hein. J'ai eu mon niveau. News item added to tout de catalogue. Ah, j'ai le droit à avoir un caleçon de niveau 2. C'est parti. C'est bon ça... Allô le jeu. Oui. Non, le jeu. Le jeu, sors-moi de là. Excuse-moi, Tony, sors-moi de... Ah, merci. Faut cliquer. Hein. Ouais, la manette, c'est pas au point. Paf. Paf, allons voir le... Non, le catalogues. Ah, merci. Ça vire sur le côté. Voilà. Ah, on peut avoir la tenue du prisonnier. Là, ça déconne plus. Il y a une sword. Il y a vraiment une... Oh, putain. Mais... Oui, c'est des épées. C'est fait que pour le combat au corps à corps. Ah, nice. Trop stylé. La prison cap et tout. Trop style. Ah, je pourrais me payer une petite tenue de prisonnier, mais j'avoue, avoir une sword, c'est trop bien. Ouais, mais tu peux plus réparer. Ouais, mais c'est pas grave. Tu pilotes. Tu deviens capitaine. À la place du capitaine. Non, très rigolo. Bon, on reprend la perle. Et on y retourne. Ou sinon, on peut prendre l'intermédiaire si tu veux. Ah, il y en a un qu'on n'a pas vu encore. Ouais. Vas-y. Oh, il y en a un, il s'appelle Pussy Destroy. Des gens, je te jure. Le problème, si non, tu laisses ta partie que... ouverte, c'est qu'il y a toujours un connard. Non, il y en a un, bah, c'est lui qui a dû créer la partie. Il s'appelle Pussy Destroyer quand même. Ça vit. Il y en a un qui s'appelle Soleil. Ah, c'est Emmanuel Macron qui joue. Je vais me faire. ASDF, je pense que lui, il a un clavier moldave. Il y a pas QWERTY ou ASDRC, il a un ASDF. Le problème de laisser ta partie ouverte, c'est que tu vas tomber sur un mec qui troll, comme on est tombé tout à l'heure avec notre. Yes, bah, notre les partie. Gens n'ont pas d'amis, les gens sont des petits cons, donc c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Un jeu qui me tente de plus en plus comme ça, c'est The Elder Scrolls Online, en plus qui est réputé pour avoir une bonne commu, donc... J'avoue que c'est tentant de se casser vers des jeux avec des bonnes commus, hein. C'est... Y'en a marre de la commu de Sea of Thieves. Bref. C'est bon, t'as créé? Oui, oui, oui. Ok, cool. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Allô, allô? Oui, oui. Allô, le jeu? Est-ce que tu... On va prendre la crevette. Allô, qui est recommandée pour 2 à 4 personnes. Ouais. Qui lui se joue autour d'une échelle centrale, il me semble, avec des salles à gauche et à droite. D'accord. On va voir ça. Tu nous as mis du bot, bah je suis prêt. C'est quand tu veux. J'ai mis un assaillant pour qu'il aille combattre. Il aille combattre. Petit café chaud, c'est quand même la vie. Voilà. C'est sélectionné. C'est confirmé. C'est parti. Je pense qu'il faudra qu'on essaye de faire une run avec Arthur pour voir jusqu'où on peut aller à 3. C'est toi le steward standard Bob ? Oh, le classe, la classe, monsieur Bob. Oui, je sais. Regarde, oh là là. Il se joue autour d'une échelle centrale sur 2 étages. D'accord. Munitions, ok. Sale, ok. Pourquoi il y a un compteur de 5 là? Ça, c'est la profondeur à laquelle tu es. Ah, ok. J'ai pas fait gaffe. Ouais, le mec il me pique mon taf. T'as mis quoi sur... T'as mis quelqu'un sur une arme? Oui, 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 il y a un bot sur une arme. Et du coup, il y en a un qui ne fait rien, donc il rate directement aux réparations. Formidable.
Mais ce qui est bien, c'est que dans ce bateau là, j'ai genre rien à faire quoi. Littéralement. Ah ouais, donc je regarde ce qui se passe, vas-y. C'est parti, moi je regarde ce qui se passe. Moi j'aime bien ce jeu où je ne joue pas. J'aime beaucoup. Tu veux peut-être conduire hein, sinon. Non, vas-y. En plus, pour moi, c'est inconfortable de conduire à la manette, c'est un enfer. C'est parce que. Je servirai à quelque chose quand on sera en grotte, hein. Puis c'est tout. Le problème de comment dire du jeu, c'est que les contrôles ne sont pas sauvegardés. Ils sont sauvegardés pour la partie pendant laquelle tu joues, pas pour après. Ah! Donc tu veux dire qu'à chaque fois que je vais relancer mon PC, enfin le jeu, ouais, je vais devoir rebind mes touches. Ouais, c'est ça. Réattribuer mes touches en fait en français, parce qu'on ne sait plus parler français. Donc rebind, c'est réattribuer. Voilà. Grâce à moi, vous parlez français. Et les algues explosent dans le jeu, c'est très très drôle. Mais ça c'est trop bien quoi. Oh fuck! C'est un jeu Michael Bay, moi j'aime beaucoup. Oh non, ça va faire respawn un mob encore. Oh putain. Arrête d'avancer. Aïe, je peux pas arrêter d'avancer. Bah alors je vais t'arrêter moi. Regarde. Moi je vais t'arrêter ma gueule. Hop, on arrête d'avancer. Attends, j'étais en train d'esquiver. J'esquive. Arrêtez de faire des conneries 5 minutes. J'aurais pas. Non, il faut tirer à un moment donné. Je sais pas si quelqu'un tire. Si quelqu'un tire. Oui, ça tire. Bon, tout le monde est mort. On a une brèche dans la salle. Ok. Et tu peux remettre la munition dedans quand tu l'as pris. Ouais. Viens voir. Bon, pas ce que tu dis, Jack. Enfin, quand en gros, quand tu utilises un obus, tu peux récupérer la munition ici et la ranger. Ok, as you want. Non, on peut pas. On est reparti, monsieur. Ça navigue. Oh, le mec, il fait des bouffes de skill incroyables, quoi. Il faut savoir que c'est. Le jeu est un peu mal codé dans le sens où quand tu fais gauche-droite comme ça, ça te fait des esquives. Petite caverne, ma gueule! Hop! Elle est swig! Ah! Au secours! Qu'est-ce qui t'arrive? Sauvez-moi! Il est où? Il est où ce con? Au secours! T'es dehors là? Je me suis fait attraper! Ah ouais, mais je peux pas t'aider moi, on a pris un bobo donc. Je vais mourir! Elle est où la trappe de sortie chez nous là? Je vais mourir! Il y a un truc que j'ai raté. Moi je peux pas t'aider, non, ma gueule! Mais on sort par où chez nous? Mais pourquoi je prends des dégâts? Mais. Tu t'es fait attraper aussi. Ah! Et je suis en dehors du battle. Et donc il va me tuer. Non, il t'a lâché. C'est parce qu'on n'a pas mis assez de dégâts pour qu'il me libère tout à l'heure. C'est un boss, okay. Ça. Si on le tue, il va nous donner un objet. D'accord, formidable. Et. Tu es mort, Arthur? Non, pas encore là. Je suis encore dans sa main. Faut continuer à tabasser le monsieur. Ouais, on réanimait juste l'allié. Oh, je me suis pris un rocher sur la tête. Ma vie est dégueulasse. Ma vie est tellement dégueu. Oui, non, mais t'inquiète, c'est l'effet de surprise du boss. C'est très touché. Parce qu'en fait, on prend l'eau pendant ce temps-là à l'intérieur, donc je suis obligé de retourner un peu en intérieur. Je suis désolé. Non, ça craint rien si l'eau monte. Ok. Oh! Donc on a gagné quoi? Un nouveau pistolet? Un long range rifle. Je ne sais pas à quoi ça sert. Attends, par contre j'ai deux points de vie, donc si tu permets je vais juste retourner me planquer. De toute façon je crois qu'il y a rien d'autre, ma gueule. Ah si. Si, il y a des choses encore. Attends, je me soigne. Je te laisse continuer l'exploration, je me soigne. Vas-y, je suis un homme explorateur. Et je vais m'occuper de la fuite qui est dedans. Tant qu'à faire. Y a rien à voir en fait, hein. Y a juste rien à voir, quoi. Voilà, c'était bien. Pas le réduire en miettes ce sac. Ce gros sac. Bon. Moi j'entends encore de l'eau là. Vous en sortez, monsieur là. Ouais, faut vous en sortir, monsieur. Hein. Ouais, si je suis pas là, hein, on se noie. Hein. Du coup, il y avait que ça dedans. Ouais, il y avait rien à voir. Le jeu a dit cassez-vous d'ici. Allez, on se tire. On peut pas récupérer les balles là. Et quoi? Mais si, on peut monter aux chaînes. Hein. Tu savais? Oui, mais y a rien, j'ai fait le tour, y a que dalle.
T'as fait le parcours? Oh, il m'emmerde. Non mais je te demande. Tu m'emmerdes. On est à 333, donc théoriquement le prochain boss est en 666, la prochaine cave. Et en 999 le dernier. Une théorie intéressante, dirais-je. Ah. Moi je t'ai vu faire des trucs de Tech Space Marines du chaos là. C'était ouf. Attends. Attends déjà que nos deux potes arrivent, deux secondes, tu te calmes. Hop, vas-y, quand tu veux. Paf, le bouclier. Et du coup, l'arme a changé, c'est devenu un fusil sniper. C'est vrai. Vas-y, oui. Je veux voir ça. Aïe. Et c'est ultra vénère. Ouais, ça a l'air. C'est ça avait l'air keep calm and nobody explode. Ah, j'ai presque envie pour le fun, j'enlève un bouclier et je sniper à fond. Vas-y, je veux voir. Ah, on va tellement trouver des culs avec ça. Ah, attends, on peut pas éclater la moule là à gauche là. Si on peut, elle met des dégâts quand ça passe à côté. Coupe les moteurs. Et mets les boucliers s'il te plaît, parce qu'on va faire respawn un mob. Ouais, attends deux secondes. Couper moteur c'est fait. Shield 2, c'est fait. Ok, parce qu'il y a aussi un bateau de pirates, donc ils vont nous avoir. Ah oui, j'avoue. Prépare-toi à l'abordage. Moi je suis pas prêt, hein. Je suis pas prêt. Ils sont morts. Ça a abordé. Ça a pas abordé. Pas encore. Non, ils sont morts. Pas encore. Personne n'a abordé. Oui. Ce fusil sniper a deux cartouches, ça arrache tout. Tous les boucliers sont jamais tombés, y'a rien qu'à bouger en fait. Voilà, il ne sait jamais rien passer. De quoi? Le bouclier en fait il tombe par niveau. Oui, mais ce que je veux dire c'est que on n'a pas pris un dégât quoi là, on n'a rien pris, on n'a pas une bosse, on a que dalle. Donc technique de combat infaillible, tu te mets à l'arrêt, tu colles, d'ailleurs tu sais quoi, je vais jamais réduire le sniper, maintenant c'est le bouclier que je réduis. C'est une stratégie. Dira ce que t'en penses. Dans les armes que j'ai déjà vues en jeu, il y a un fusil à pompe qui est vachement utile parce qu'il repousse en fait les ennemis. Mais genre il les repousse du genre vénère. Hein. Vas-y, arrête, mettons-nous à l'arrêt et mets les boucliers à deux. Bousingue à l'arrêt. Bouclier 2. Hop, parce que c'est des mobs qui sont extrêmement chiants à buter. Parce qu'ils sont résistants. Ouais, okay, il y en a encore un là-haut. Il y a un requin là-haut, non? Il ne vient pas nous aggro? Il est débile, il viendra pas. D'accord. Je demande, parce que sinon on restait statique un petit instant. Ah, j'entends tirer là. Hein. Ouais, mais c'est un petit poisson. C'est les petits. Ok, ça c'est un gros. Ok, je vais peut-être nous arrêter. Non, c'est bon. Ah non, mais on en a deux à péter. Hein. Non, c'est bon, ça va passer, regarde. Ouais, c'est bon, ça passe parce que c'est Bibi qui répare, ouais! Ouais! Hein? Le premier boss est le Kraken. Je ne sais pas si ça change. Les deux parties que j'ai fait où j'ai atteint le boss, c'était le Kraken. Donc je pense que le boss du niveau 1, c'est le Kraken. Il fait que aborder. C'est très fort. Il envoie plein de petits mobs qui passent leur temps à aborder. C'est très très. Bah on se mettra un bouclier 2 à l'arrêt et le sniper à fond et ça le déblaira tranquillement, voilà. Mais là je sais pas si ce sera ou pas le Kraken. On verra bien. C'est vers 1000 mètres à peu près, ou 2000 mètres, peut-être 2000 mètres. En fait je dois plus être trop loin là normalement de la deuxième grotte. Ouais. 670, on va peut-être si même passer. Si y'en a deux. Hein. Ouais, si y'a... Non mais il faut hein, moi j'aime l'argent monsieur. Hein. Ah, la première grotte qu'on avait fait, j'avoue, dans la découverte, en fait, on s'est tellement saucé en pognon, ça veut rien dire. J'ai fait une grotte à 3000. Elle était immense. J'ai bien passé 5 minutes à l'explorer. Oh, le gavage, quoi. Oh, tu peux perdre ton aventure, t'as déjà tout gagné, quoi. C'est ça. T'as gagné ton niveau sans problème. Mais normalement, toi, tu vas voir quand est-ce que tu auras passé ton record, la profondeur à laquelle...
on a été. Tu sauras. Bah, vu qu'on n'est pas allé jusqu'au boss, là, si on va jusqu'au boss, j'aurai mon record de profondeur, monsieur. Ça sera écrit en haut de ton écran. Oh, ouais, y'a pas de. Pas de soucis. Tu peux nous mettre à l'arrêt bouclier de. Ah. Merde. Hop, arrête-moi. Bouclier 2. C'est réparé. Ouais, okay. On peut repartir. Tu vois, et chaque sous-marin a un gameplay qui change un petit peu. Mais ça change avec l'équipement et tout ça. En tout cas, celui-là avec son sniper, il est sexy! Ah mais c'est... on pouvait très bien avoir aussi le sniper sur comment ça s'appelle. Oui, non mais en fait celui-là est juste sexy parce qu'il y a le sniper dessus quoi. Ouais. Et il faut savoir que celui-là prend l'eau aussi extrêmement vite. Ouais, j'ai vu ça. C'est-à-dire ouais. Que l'eau se répartit dans les salles très très vite, ce qui devient très vite un problème quand on prend très cher. J'adore l'IA. L'IA il réfléchit même pas. Je me suis dit, tous les coups, il va commencer à tirer avant. Ah, non, non. Pourquoi il fait un bruit de chat? Ouais. On va se mettre à l'arrêt, non? Non, c'est bon, je peux les esquiver dans les petits passages, ils seront emmerdés. Regarde. Ah, mais en fait. Mets-nous à l'arrêt. Ouais, merci, ouais. Ah! T'as merdé, Jack? Briche! Ok, c'est bon. C'est bon, c'est réparé. Non, c'est pas ça, toujours pas. Ah mon dieu. C'est quoi ce machin? penche un peu le nez en avant, il pourra le tirer. Je pense qu'il aura plus d'angle un peu pour tirer. Non? En tout cas, il a pu en buter un, c'est déjà ça. Bah, tout est mort, je crois, non? On peut bouger? Non, l'autre s'est enfui vers l'eau. Okay. Vas-y, go, on peut partir. Pouf! En fait, on peut surcharger le bordel, je viens de voir là, non? Non. Quoi? Mais je peux accélérer en fait avec le carburant, je viens de comprendre. Regarde, t'es prêt? Non, mais gaspille pas du carburant pour que dalle. Gaspille du carburant mais j'en ai pour avoir deux. Regarde. Ça te donne un exemple? Ok, cool. Ok, hop, ça te gâche ton pompe up. C'est plus. Allez, sac à merde! Qu'est-ce qui répare encore? Ah, je suis en train de me faire tabasser encore! Mais merde! Allô, au secours, vite! Oui, oui, bah c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Oh, il va me tuer. J'hallucine. Eh bah voilà. C'est bien. Hein. C'était cool, hein. J'étais vraiment content d'avoir joué avec vous. C'était trop bien, hein. Il a tué notre pote. Ce con, hein. Allez, on tabasse, on s'en bat les couilles. Il peut pas passer hein, aux endroits où c'est trop mal plat. Oh, par contre, faut que j'aille régène, là j'ai plus que 5 pev. J'ai plus que 3 PV. C'est 3 PV de trop. Va crever. Meurs pour mes péchés. Oh putain, j'ai déjà plus que 8. J'ai plus que 8 PV max, quoi. Oh, ma vie est tellement crados. Je vous entends vous battre dehors. Ah bon, on tabasse des culs, hein. Non, on rigole pas, hein. Ouh, je suis encore mort. Pour vos péchés, évidemment. Ah non, mais aussi, non. Et merde. Ah mais c'est parce qu'en fait, celui-là est plus complexe à tuer. Bon, attends, je vais m'enfuir. Alors, je sais pas, mais en tout cas, il est relou, là, à descendre, hein. Ah, je suis mort. On n'est même pas allé au boss. On est mauvais. On est trop mauvais. Le jeu est dur. Mais non, on est mauvais. Ce boss, on l'a vaincu. On pouvait le vaincre. Non, c'est pas le même. Level up, on est level 3. Bah si, c'était le même mob. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, non, il avait l'air d'avoir plus de PV. Il y des petites capsules qui explosaient. D'accord. Ok, bah écoute, on est nul, hein. Je pense que c'est la conclusion de cette vidéo. Nous sommes mauvais.
Jack. C'est ça. Et on n'a pas gagné un dollar. Hein. On n'a pas fait un copec. Hein. On n'a pas fait... Ouais, c'est pas une caillasse, quoi. Ouh. Ah, je peux m'habiller en fermier maintenant. Ça, c'est la grande classe. Oh là là, j'ai le petit rose bonnet. Avec des petites fleurettes aussi, là, ça peut être sexy. Le medikit. Keep your crew in tip-top shape with c'est, this marvelous kit of medical supplies. So get fallen crew and their feet much quicker. Bah, ça peut être intéressant de démarrer avec, mais il faudrait qu'on trouve vite une clé, quoi, en fait. Et que t'aies un sac. Et que t'aies un sac, putain, ouais, ça fait trop de conditions, ouais. Après, tu dis ça vaut pas le coup. Là, si on a vu un medic crew dans le groupe, on était peut-être pas non, mort non, quoi. Non, 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 ça serait pas passé. Voilà. Je sais pas. Il fait un PV de 2 secondes sur tout le monde, sur une seule personne à la fois. Ok. Donc, dans tous les cas, il attends, pouvait un pas PV toutes seul... les 2 secondes. Ouais. Sur tous les gars. Un seul gars. Un seul gars. Ah, le boss. Tu parles ou la valise. Et le boss fait un point de dégâts à tout le monde à chaque fois qu'il tape. Ceux ouais. d'en bas peuvent esquiver, mais ouais. celui d'en haut le prend automatiquement. Je vois pas où tu penses que le médic n'est pas intéressant, quoi. Si, le médic est intéressant, mais il là, régénère il est pas. Super assez. Intéressant. Ouais, et il tape pas, il peut pas taper. Ça évite quand même de se faire de mourir comme des vieux goliots à l'infini. Ça te laisse quand et même plus te de marge. Et ça pas tes points de vie perdus définitivement. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, moi, quand tu vois là, quand il m'a pris dans ses mains, il m'a broyé comme si j'existais pas. Il me permet de survivre plus longtemps. Donc pendant ce temps-là, non, vous pouvez le taper plus. Non, il t'atteint pas. Ah, il t'atteint pas. Non, c'est ce que je disais. Il peut pas t'atteindre. D'accord. Ouais. Je pense qu'il est tout de même intéressant le médic, sinon il serait pas aussi cher, je pense. Bref. Oui, il est intéressant le médic, mais intéressant sur un truc de plateforme qu'on en a fait tout à l'heure. Oui. Oui. Dans ces bon, cas-là, il est intéressant. Parce sur que, ce, comme on est au revoir YouTube et on se retrouve dans une autre vidéo. À Des plus. bisous.